Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Medieval Trader Simulator, un jeu disponible sur Steam au prix de 12,49€ dans lequel on va devoir gérer notre shop à l'époque médiévale. Alors vous allez voir, là on commence, on est du coup dans notre maison, on a une petite map faite assez rapidement j'ai envie de dire. Bon, la vue du dessus pourquoi pas, mais après ça fait des marqueurs un petit peu à la paint j'ai l'impression, mais bon, en soi c'est suffisant. Du coup notre maison est ici, on a le shop qui est un petit peu plus bas, donc notre boutique hein, qui est juste là. Et on a ensuite, vous voyez, un chemin à suivre qui est quand même assez long pour arriver à un marché dans lequel on va pouvoir acheter différents items qu'on revendra ensuite dans notre boutique. Donc première chose qu'on va faire avant de sortir d'ici, c'est commencer à placer quelques items qu'on a déjà dans notre inventaire et qui seront plus RP dans notre maison plutôt que dans la boutique. Puisque, à noter, regardez en bas à droite, on a trois choses à gérer. On a du coup l'urine, donc notre vessie, hein, nos besoins. On a la propreté, la saleté hein, du coup à gérer, donc il va falloir se nettoyer. Et on a la faim également à gérer. Donc dans le premier cas, bah écoutez, on a des toilettes qu'on va pouvoir placer. Donc on va les placer, je sais même pas quelle porte, c'est la porte d'entrée, celle-ci ou celle-ci? Je crois que c'est la deuxième. Placer du coup. Je sais même pas dans quel sens. Je sais même pas dans quel sens ils vont. Bon, je pense que ça va pas avoir un grand impact. On va les mettre là. Voilà. On peut les utiliser tranquillement. Bon, là, j'avais pas trop besoin, mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, on va également placer le lit. Le lit, je sais pas vraiment à quoi il sert, d'ailleurs, dans le jeu pour le moment. Mais bon, on va le placer à l'opposé, bien évidemment. On va le mettre vers ici. Là, c'est juste à côté de la porte. C'est peut-être pas fou. On va le mettre là. Mais bon, là, ce sera à côté de la fenêtre. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà. Et du coup, pour le moment, ce sera tout. Donc, je vais sortir de là. Et je vais aller directement en ville avec un monsieur qui m'a l'air bien équipé, dis donc. Bonjour. On sort, on a déjà un mec qui a une hache en mode un petit peu vénère, là. Ok, donc oui, la map, on l'a déjà vue. Du coup, notre boutique se situe juste en face, là-bas, on va y aller. J'avoue que les mecs font énerver, quand même. Hein. Mais bon, au moins, lui, il est pas armé. Lui, il va nous mettre un coup de massue dessus. Ils ont tous des massues là, ok, ça y est, c'est parti. Voilà, alors ici, ça va être pour acheter tout ce qui est nourriture, justement, pour gérer la barre de faim. D'ailleurs, à ce propos, vous allez voir que nous-mêmes, on va vendre de la nourriture, mais je crois qu'on ne peut pas l'utiliser, justement, pour nos besoins personnels. Donc, il faudra vraiment l'acheter ici. Et pour la saleté, bah, je pense qu'il faudra qu'on s'achète un genre de douche, mais du coup, on n'en a pas de base, donc il faudra avoir un peu d'argent pour le faire. Daily worker cost. Donc apparemment, on vient de payer 20 pièces parce qu'on paye un mec qui travaille pour nous. Donc, vous allez voir que là, c'est notre boutique et en fait, il y a effectivement quelqu'un à l'intérieur qui travaille du coup pour nous. Et ça doit être lui qu'on a dû payer, sachant qu'ici, il y a une petite bourse. Et c'est justement là-dedans qu'on va collecter l'argent qu'on aura récupéré des ventes de notre boutique. Et ceci, c'est ce qui va nous servir justement pour aller faire le marché. On va se balader avec ça et du coup, on pourra remplir et ramener un max de choses. Donc avant de faire ça, il va falloir se faire un petit peu d'argent pour commencer. Donc on va placer alors le workbook déjà, très important. Ouais, ouais, t'inquiète, on s'occupe de ça après. Le workbook, on va le mettre ici, comme ceci. Si j'interagis avec, ça me permet de voir différentes informations comme les ventes qu'il y a eu, justement s'il y a des gens qui voulaient quelque chose. Là, vous voyez qu'ils me disent que, bah, par exemple, ils voulaient des pelles, il n'y a pas de pelles, en vente, hein, bien sûr. Management, donc je peux également sauvegarder la partie ici. Et ah, je peux même demander à mon worker, du coup, d'ouvrir le shop à 7h et de fermer le shop lorsqu'on n'a plus de stock. C'est très cool en vrai de pouvoir faire ça. Et ensuite, on a du coup une table à placer. Alors bien sûr, on aura des meilleurs items à placer plus tard. On aura des tables, on va dire, un petit peu plus stylées ou d'autres choses. Pour le moment, c'est juste le stuff de base qu'on nous donne. Oui, alors il y a beaucoup d'astuces hein, forcément. Mais je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. De toute manière, ce sera plus intéressant comme ça. Donc là, on va mettre une première table, je pense. Remarque, la table, on va plutôt la centrer puisqu'après, on aura des ateliers qui iront mieux sur les murs, je pense. Je vais la mettre vers là, pourquoi pas. Et on a déjà des premiers items qu'on va pouvoir revendre. Donc pour ce faire, je vais prendre le petit panier ici. Je vais prendre cela aussi. Alors, il y en a un qui flottait un petit peu en l'air, mais bon, tout va bien. Et on va disposer ce qu'il y a là-dedans. Donc là, on a 5 patates. On va mettre des patates comme ça. Alors bien sûr, le but, c'est de faire des choses un petit peu jolies. Là, pour l'instant, on va juste les mettre là-dessus. De toute manière, j'ai pas vraiment de choix. J'ai juste une table, donc je vais juste placer comme je peux.
Voilà. Ensuite, on va placer. Ah, il y a déjà quelqu'un qui a acheté. On va placer ça de ce côté-là. On va essayer de faire ça bien. Hop. Hop. Mince, trompé de touche. Hop. Voilà. Et voilà. Ah ouais, non, ça les met vraiment les uns sur les autres. Ouais, j'avoue que c'est peut-être pas le meilleur style. J'ai fait un escalier avec. Oh là là. Bon, c'est pas grave, hein. C'est les premiers items, on va s'appliquer un petit peu plus pour les suivants. Là, ce qui m'intéresse, c'est déjà de me faire l'argent le plus vite possible. Hop. Et donc ça, on va le mettre là. C'est quand même stylé, dès qu'on commence à avoir pas mal d'items justement qui sont placés. Bon, j'avoue que... Elle, on va les remettre. Hein. On va les remettre un petit peu mieux. Un petit peu plus à plat, on va dire. Ah ouais, forcément, avec ce que j'ai fait, ça va être la galère. De toute manière, les gens vont les acheter. Et ensuite... On replacera un petit peu mieux. Ouais, c'est pas grave. Hein. Allez, on va mettre comme ça pour le moment. Du coup, les gens viennent, ils achètent. Là, je vais avoir un petit récap. Ici, regardez, j'ai vendu pour le moment deux patates pour 4 pièces. D'accord? Pourquoi total 11 du coup? Pourquoi total 11? C'est les ventes que j'ai actuellement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, c'est les choses que j'ai en vente à l'heure actuelle. Ou pas. On est passé à 15. Ou pas finalement. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah non, non, c'est vraiment le combien je me suis fait. Mais pourquoi il y avait 11 tout à l'heure alors qu'il y avait 2 fois 4, juste ça faisait 8. Peut-être qu'il y avait déjà le pain pour 3 que j'avais pas vu. C'est peut-être ça, c'est sûrement ça. Non, c'est vraiment le total des revenus qu'on s'est fait. Et du coup, ensuite, on peut récupérer ici. Hop! Je récupère tout mon argent. Et donc, on va laisser les gens continuer d'acheter. J'ai récupéré un petit peu d'argent, suffisamment pour aller acheter de nouvelles choses au marché et venir les revendre ici. Voilà. Donc, autant ne pas rester là à rien faire le temps que l'argent monte. Après, je voulais quand même rester là le temps d'en récupérer un petit peu, quand même, le minimum. Mais là, on va y aller. Hop, c'est bon. J'ai bien le truc qui me suit. On y va. Du coup, le chemin, on connaît. C'est par là-bas. Le chemin est un petit peu long. J'aurais même tendance à vouloir essayer de cut. Puisque, hop, vous voyez que ça fait tout un tour, alors que je vais pouvoir couper au milieu. Je vais essayer d'y aller directement, ce sera plus rapide. Et là-bas, on va essayer d'acheter des choses qui vont nous rapporter un petit peu plus pour pouvoir commencer justement à agrandir notre chez nous, bah justement avec ce que vous voyez actuellement à l'image. C'est juste parfait ce timing. Vous voyez, on va pouvoir mettre des items un peu plus stylés que les tables qu'on a pour le moment. Et même, on va peut-être pouvoir acheter des armes ou ce genre de choses à revendre. Bon, je pense pas de suite parce que c'est des choses qui valent plus cher. Mais du coup, ça rapportera plus aussi. J'arrive dans la zone du marché et du coup, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à acheter potentiellement. Est-ce que je laisserai pas d'ailleurs, hop, mon petit truc ici. Alors, à noter aussi qu'en haut à gauche, on a du coup l'heure, l'argent, ok. Et on a bah, quelque chose qui s'apparente du coup. Alors, j'ai pas encore trop vu à quoi ça servait. Mais aux notes qu'on va recevoir, donc à la réputation, très certainement, à voir du coup si c'est un impact ou non sur le jeu. J'ai pas encore trop vu cet aspect-là. Donc là, vous voyez qu'on a des bah, pas mal d'items qu'on ne peut pas récupérer ici, mais ceux-là, on peut les acheter. Et on a justement une notion de si les prix sont bons ou pas. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on me dit high price, donc les prix sont chers. Et il y a la petite flèche rouge, hein, au cas où on aurait du mal avec l'anglais, au cas où. Et vous voyez qu'en bas à gauche, ça me dit que le prix normal est de 41 et le prix actuel est de 53. Donc je vais payer plus cher que le prix normal forcément. Donc c'est pas vraiment intéressant. Là à l'inverse, le prix normal est de 35, ils me le font pour 30. Donc ça peut être intéressant, sachant que quand on achète un truc comme ça, je crois qu'on achète un paquet de 5. Alors je sais pas si c'est pour tout pareil ou pas, mais moi les tests que j'avais fait, en tout cas j'en avais 5 à chaque fois. Donc là si je paye par exemple 39 pour 5 comme ça, je vais les revendre, je vais dire une bêtise, mais peut-être 10 unités. Donc je vais me faire un petit peu d'argent dessus, vous voyez. En gros, ça va être ça le délire. Donc qu'est-ce que je prends? Je pense qu'il faudrait que j'essaie de prendre des trucs où je me fais justement un bon prix. On va faire le tour déjà de voir un peu ce qu'il y a. Puisque vous avez des boutiques différentes qui vendent des choses différentes. Alors celle-ci, c'est celle qui m'intéresse le plus, bien évidemment. C'est vraiment les stands d'armes. Mais regardez les prix. Bon, c'est pas encore dans mon budget actuel. Quoique, et celle-là? Celle-là, on n'est pas loin. Il me manquait 10 pièces, malheureusement, mais je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Oh! Non, mais attendez, celle-là, c'est un super bon prix, par contre, hein, qu'ils me font. Mais bon, j'ai pas du tout l'argent. Donc, voyez un petit peu les armes. Il y en a qui sont, bien évidemment, très chères.
Ah, je peux appuyer sur N. Ok, ça je m'en souvenais pas. Ok, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais en fait, on peut le voir ici aussi. Il n'y a pas de vase, il n'y a pas de graines, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas tout ce qu'ils veulent. Ah, et shop rating, vous voyez qui est ici. Mais après, encore une fois, je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir vraiment une bonne note ou pas. Et donc, regardez même ces épées. Oh là là, trop stylé. Hein. Les espadons et tout là. Là, on passe sur toute autre chose. C'est plutôt tout ce qui est outils ici. Bah tiens, il voulait des pelles. Je pourrais prendre une pelle. Après, c'est un bon prix, mais c'est pas un prix incroyable non plus. Là, c'est des prix normaux. Ok, on a pas mal de choses à ce niveau-là. C'est cool. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a justement de la nourriture à revendre. Ok. Là, c'est quoi? C'est des potions. Ouais, c'est des soins. De l'huile. Là, c'est tout ce qui est fromage. Et pain, également. Mais attendez, je peux le manger, ça ou pas, du coup? Parce que ça, c'est la même chose que celui qu'on achète pour manger, mais je pense pas qu'on puisse suivre. Ok, on a encore les stands de fruits et légumes. Et ici, on a justement tout ce qui est étagère et compagnie. Donc ça, ça va être pour organiser chez nous. J'avoue que ça pourrait être intéressant, mais le problème, c'est que je vais pas avoir assez d'argent pour acheter déjà des étagères supplémentaires. Mais vous voyez, on a celles-là qui sont assez petites. On a les tables qui sont, je crois, les mêmes que nous. Ensuite, on a d'autres étagères ici, encore d'autres là. Vous voyez, on a un lit ici, on a d'autres tables que les nôtres. Bon, les toilettes, justement, ça va être pour se laver. Ok, on a encore les bouquins, mais bon, ça, on en a déjà un. Et on a des petits pots comme ça, on a le... Ok, des chaises derrière, est-ce que je peux acheter autre chose? Je pense pas, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, dans un premier temps, j'ai pas énormément d'argent. Je pense qu'il faut vraiment que je réfléchisse à comment m'en faire le plus possible. Donc il faut que je prenne les trucs où il y a les meilleures affaires, je pense. Vraiment. Après, dans l'idéal, ce serait bien d'avoir plusieurs items, mais je vais pas avoir assez d'argent pour. La pelle, ça peut être intéressant parce qu'on me l'a demandé. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on va vraiment demander. Donc, je pense que je vais rester sur l'idée de tout à l'heure. On avait quelque chose où il y avait un très bon prix. Bah, par exemple, ça, c'est vraiment un très bon prix. Ça, c'est pas mauvais non plus. Voyons voir, 40, 50, 60. J'aurais pas assez pour les deux, malheureusement. Je n'aurais pas assez pour les deux. Ça, on est à 30. Ouais, franchement, ces deux-là sont quand même des bons prix. Là, je gagne 5 pièces. Là, je vais en gagner 12. Sachant qu'il coûte plus cher et que je le paye moins cher, j'ai plus tendance à vouloir prendre le leader. Et ici, du coup, on gagne 11. Je pense que je vais rester là-dessus. Je pense que c'est le meilleur prix. Hop, je vais l'acheter directement. Et vous voyez qu'en fait, ça m'a donné, hop, une boîte avec 5 à l'intérieur. Il me reste encore 37. Bah, je peux reprendre la même chose. Mais bon, ça fait beaucoup de fois le même item et je suis pas sûr que ça parte du coup assez vite. Donc, éventuellement, on a celui-ci pour 30. Sinon, on va plutôt côté nourriture, histoire de diversifier. Allez, je vais faire ça. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Oups. Je voulais juste... voilà, prendre le cart. Alors, on va venir ici. On va venir ici. Il y a bien un truc que je vais pouvoir acheter pour pas trop cher. 30 au lieu de 45, c'est un très bon prix également. Ouais, je pense que... Allez, c'est vendu pour moi. C'est fait. Je suis assez contente des affaires que j'ai pu faire aujourd'hui. Du coup, je vais repartir au niveau de ma boutique. Et on va voir si ça se revend, ce serait plutôt cool. Allez, de retour à la boutique les amis. On va se garer ici. Hop, je vais récupérer des petites boîtes. On va récupérer ça aussi directement. Oh, tout a été vendu déjà. Eh ben, dis donc. On va essayer d'y donner un petit style. Voilà, un petit peu de travers comme ça peut être sympa. Hop, on met ça là-bas. Ça ici. Et on va voir pour revendre ça. Je vais mettre la nourriture à ce niveau-là. Non, j'aurais dû inverser en fait. Parce que du coup... Regardez. Alors, plus tard, quand j'aurai beaucoup plus de stock, je ne mettrai pas tout ce que j'ai, bien sûr, comme ça. Je ferai une petite expo, mais je laisserai du stock un petit peu derrière, du coup, pour remettre au fur et à mesure. Là, en réalité, ça peut être sympa d'en mettre un peu les uns sur les autres aussi. Là, en réalité, je me dis que ça, vu que c'est un petit peu plus haut, ce serait plus sympa de le mettre derrière. Comme ça, il ressortira
Hop. Voilà. Comme ça, on arrive. Ça permet de voir un petit peu les différents objets qu'il y a derrière aussi. Donc ça, c'est assez cool. Donc voyons voir. Je me suis fait 167. Ah ouais. C'est pas mal du tout. On va faire une petite save. Voilà. Je sais pas si ça a marché. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Ok. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens, maintenant? No laser strip. Bah écoutez, il y en a maintenant. Bon, d'où l'intérêt d'essayer de diversifier tout ce qu'on va revendre. Justement, pour faire remonter le rating. Et qui sait, peut-être que si on le monte suffisamment, il y aura des nouveaux items aussi à aller acheter ou autre. Il faudrait voir. Donc là, on va laisser ça. Il va être l'heure de fermer, je pense, bientôt. Et du coup, ça va être à ça que servira le lit, très certainement. Ce que je vais aller faire, c'est acheter un petit truc à manger. Je pense que j'aurais pas besoin de me laver aujourd'hui ni demain. C'est bizarre hors contexte dit comme ça, mais. Ok, je vais manger un petit truc là. Allez, un deuxième, vu que ça remet 20 a priori. Ouais. Il fait très nuit d'un coup. On va peut-être pas tarder à fermer, hein. J'ai déjà revendu un petit peu. Ah, il n'y a plus du tout, du coup, le mec qui travaille pour moi. Ok, lui, il est parti. Bah écoutez, on va en profiter. Je vais donc. Ouais. Je vais donc fermer ici. On va aller dormir. Et je réouvre demain. Je vais laisser revendre un petit peu. Et ensuite, je vais retourner du coup au marché. Voir si je peux acheter des trucs sympas. Dans l'idéal, il faudrait que j'achète de quoi me laver. Mais ça m'embête. J'ai envie de me faire de l'argent plutôt. Donc je vous dis demain, je pense qu'on va. On va pas le faire. Allez, du coup les amis, j'ai tout revendu et là je suis à 306 pièces. Donc normalement je vais pouvoir acheter des trucs assez sympas, à commencer par... Bah, je me demande justement ce que je vais prendre. J'aimerais bien une étagère comme ça. Celle-là je les trouve trop petites. Surtout qu'elle coûte 30. Elle coûte 30. Celles-là ont le même prix alors qu'elles sont plus grandes. Je pense que c'est plus worth de prendre ça. On va acheter celle-ci. Ok, c'est mis directement là-dedans. Très bien. On va acheter peut-être une comme ça aussi. Je sais pas si je prends celle-là ou celle-là du coup en fait. Parce que là j'avoue qu'on a trois étages. Là on en a que deux. Par contre celle-là je les trouve plus stylées. Elles sont peut-être un peu petites. Je vais prendre celle-là. Voilà. Ici. Hop. On va continuer nos achats, on va remonter un petit peu. J'aimerais bien acheter une arme. Hein. Franchement, si je pouvais avoir une arme. Alors, le problème, c'est que si j'achète une arme, je sais pas si je vais les avoir par pack de 5 aussi ou pas, en fait. 258, ah, c'est dommage. Hein. C'était une super belle affaire. C'était vraiment une bonne affaire, malheureusement, que je ne pourrais pas avoir. Normal price. Je vois pas à combien je l'ai là, du coup. Ok, il n'y a pas beaucoup d'affaires au niveau des armes actuellement. Franchement, il y a celle-ci qui est pas très chère. L'avantage, c'est que je pourrais acheter d'autres choses. On va plutôt jouer sur la diversité, du coup, allons-y. You need... Ah, ben voilà. Ah, ben voilà, à quoi ça sert, du coup, les rates. En fait, tant que j'ai pas 50% de notes, eh bien, je ne peux pas acheter cette arme-là. J'imagine que je vais pas pouvoir acheter d'armes tout court, non? Ah, je le sens bien comme ça, les amis, malheureusement. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une arme, mais du coup, ça nous oblige à monter un petit peu. Ouais, c'est exactement ça, je suis un petit peu déçu, mais ça nous oblige du coup à monter notre note. Donc à vendre vraiment masse de variétés pour commencer. Ok, je vais prendre les graines, je sais que ça m'avait été demandé à un moment donné. Ouais, pour commencer à avoir des armes, du coup. Bon, bah écoutez. On va prendre les bonnes affaires. Good price, je veux bien, mais c'est quoi ça? C'est un mortier, ça? Je trouve vachement haut. Ok, là-dedans peut-être. Une corde, ça coûte pas grand-chose, et ça fait toujours un produit de plus à exposer. Donc ça, c'est cool aussi. Est-ce qu'il y aurait un autre outil qui serait peut-être pas très très cher? Est-ce qu'on a quelque chose? Bon, celui-là, je l'ai déjà vendu, ça m'embête de reprendre. Lui, je gagne moins, mais j'ai quand même envie de le prendre. Juste histoire, justement, de changer un petit peu ce qu'on revend. Hop, et il me reste encore pas mal d'argent, mine de rien.
Tant que je fais attention, en tout cas. Un petit peu de nourriture, hein, ça serait cool. Ça serait cool, ça serait cool. Bon, c'est pas pour ce que ça coûte, c'est pas ce que ça va me rapporter non plus. Quoique. Eh, quoique, 52, let's go. Parce que si ça coûte 52, faut se dire que je vais le revendre bien plus cher aussi. Ah, je peux les mettre au-dessus et tout, comme ça, ok, c'est cool. On a quoi d'autre ici? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Ah, ça coûte vachement cher, ça, ok. Non, il n'y a que des mauvais prix là-dessus, c'est pas intéressant. Je pense que je vais remonter, parce qu'avec l'argent qui me reste, ouais, je préfère aller prendre ce qu'il y a en haut. J'ai pas fait attention, il y avait des items là-bas ou pas? Je suis pas allé jusque-là. J'ai pas l'impression, hein. Je pense qu'il y avait tout sur ce qu'on a déjà vu. Ok, je vais voir ici. Donc là, le prix est haut, ça tombe bien. De toute manière, je comptais pas racheter la même chose. Ah, il y a vraiment rien à acheter par contre ici, hein. Ah ouais, non, il y a rien à acheter en fait. C'est... Ah, c'est full douille dans le coin. Après, lui, ça joue pas à grand-chose. C'est quasiment le bon prix. J'ai quand même envie de prendre un item de ce côté-là, donc je vais prendre celui-ci. Et vous savez quoi? Il me reste encore un peu d'argent. Ça dépasse pas du tout, vous savez. Bon, allez. Hop. Il me reste encore un peu d'argent. Je me tâte, en fait. Ah, peut-être... Je vais aller voir combien coûtait le... Hop. Mince, c'est 50. Il me manque 5 pièces. Tant pis. On va rester sale. On va rester sale. Qu'est-ce que je prends du coup? Il me faut un dernier item, les amis. Je sais pas ce que je prends. Il y avait celui-là que j'avais laissé. Ouais, non, mais j'avais pas l'argent du coup. Lui aussi, c'est un bon prix. Bah pourquoi pas? Allez. Allez. Bah vous savez quoi? On va rentrer déjà avec ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses à exposer. Donc c'est parti. On prend le chemin du retour. Rendez-vous au shop. Allez, je viens de rentrer, donc c'est parti. D'ailleurs, il y a une porte aussi. Hop, si j'arrive à passer. Il y a une porte juste ici. Je pense que c'est la porte justement pour faire les livraisons et tout ça sans passer par la porte principale. Je pense que c'est le côté un peu plus RP de ce côté-là. Là, je me dis, je vais même rentrer avec tout, hein. Tant pis. Oui, c'est vrai que dès qu'on se retourne, forcément, le truc se retourne avec nous. Et du coup, allons-y. On va commencer à exposer des choses. Alors oui, d'ailleurs, je dis ça, mais j'ai des nouvelles choses à placer également. On va placer ça ici. Et celui-là. Et celui-là et celui-là. Ah, je l'aurais bien vu ici, en fait, dans le petit angle. Mais du coup, je vais l'y mettre quand même, je pense. Hop. Je vais juste replacer celui-là, peut-être derrière, comme ça. Hop, lui, je le récupère. Déjà, il était mal placé. En plus, il est à l'envers. Il est bon, là, ou pas? Ouais, non, il est à l'envers, de base. Voilà. It's night, go to bed. Bah non, je veux pas aller à mon lit, pour le moment. Je veux tout placer. Je veux tout placer. Du coup, là, on a quoi? Okay. En fait, ça, je vais même le laisser juste à côté. Comme ça, je vais pas forcément tout exposer. Mais je pourrais en remettre au fur et à mesure. Ça, je peux le mettre vers ici, je pense. Ensuite, j'avais quoi d'autre? Ça ici. Hop. Ça, ah oui. Bah ça, je pense que je vais laisser là-dessus pour le moment. Voilà, ça me permet de les positionner comme ça tranquillement. Ici, on peut mettre les graines en bas. Les cordes, ça prend quand même pas mal de place. Ouais, ça prend vraiment beaucoup de place même. Je vais en mettre qu'une seule, hein, du coup. Les graines ici. Et là, déjà, on est pas mal. Ouais, franchement, ça va. Il y avait encore un petit peu d'argent à collecter. Je vais fermer du coup le shop ici.
Et je vais peut-être faire une save aussi avant au cas où. Je vais peut-être faire une petite save. On va passer la nuit. Et on va voir du coup si les gens commencent à acheter un petit peu tout ce qu'on a mis là. Je vais manger. Ouais, par contre demain, faut que je me lave impérativement. On va passer aux toilettes, on va dormir. Et demain, va vraiment falloir que... Mince, je me trompe toujours de maison. Vraiment falloir que j'investisse pour me laver. Allez, hop. Ok. Nickel. On y retourne du coup les amis. On va réouvrir directement. Et là normalement je devrais me faire pas mal d'argent en plus de ça. J'aurais dû paramétrer pour qu'il ouvre d'ailleurs à 7h. Comme ça dès que j'arrive c'est déjà open. Je pense que je vais faire ça ouais, pour le prochain. Vas-y let's go. On va lui mettre worker open. Alors c'est rien qui ferme. Je fermerai moi au pire ça c'est pas gênant. On va faire en sorte qu'il ouvre ouais. Ça c'est cool. Allez, bah à la limite, je vais replacer quelques petits trucs. Bon, vu que j'en ai pas beaucoup, on va étaler un peu hein, sur les étagères pour le moment. Oh, ça doit faire tellement sympa une fois qu'on a vraiment tout rempli. Parce que là, ce sera vraiment une gestion des stocks en mode, ok, il me manque certains items, je vais les remettre et tout. Par contre, ouais, je viens de me rendre compte que ça, ils me l'ont remis dehors. Genre en mode, ok, on a plus trop de ça, faut le remettre, etc. etc. Ouais, ça peut être très très cool. Ok, on va juste... répartir un petit peu. J'aime bien comme ça déjà. Là, ce serait cool si j'avais d'autres outils aussi, quoi. Parce que le même, du coup, c'est un petit peu chiant. Allez. Hop. Bon, l'avantage, c'est que le temps que je place, bah du coup, logiquement, ça doit partir aussi derrière. Là, ouais, le problème, c'est ça, je peux clairement pas le mettre ici. On peut peut-être les empiler, non? Ça va pas faire très joli là. Ça va pas faire joli du tout en fait ici même. MDR. Mince, c'est l'autre que je voulais du coup. Bon, on va le mettre là et je le rangerai plus tard de toute manière. Ok. Et voilà, là on a quasiment tout mis. Il me manque juste du coup les cordes. Je peux pas le remettre là-dedans? Non, j'ai pas l'impression. Hein. Ok, bah ça on les remettra. Alors voyons voir, on en est où là-dedans? Liseur, ok. 17, hein. Ça coûte 17 l'unité. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, ils me disent qu'il n'y avait pas de corde, mais c'était avant, je pense. Je pense que c'était avant. Daily Worker Cost. J'avoue, heureusement que je garde un petit peu d'argent d'ailleurs. Parce que je sais pas ce qui se passe si je peux pas le payer. Je sais pas s'ils me mettent en négatif. Ok. Bon, bah, écoute. Il n'y a plus qu'à revendre. Là déjà je me suis fait 56 pièces, ce qui est pas mal. Et les amis, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour cette découverte. En tout cas, le jeu est sympa. Je le trouve cool. Moi j'aime bien en fait le... Bah, tous les jeux comme ça, j'aime bien juste le fait de se dire bah, ok, on commence de rien encore une fois. Et on a justement plein d'étagères après avec plein d'items et tout, je trouve ça cool. Après, on va pas se mentir, il manque quand même quelque chose à l'heure actuelle sur le jeu. Il est quand même un petit peu trop vide à mon sens. Il faudrait qu'il y ait quand même plus de mécaniques pour que... ça le rende moins répétitif, on va dire, plus sympa. Et surtout, bah, qu'il soit plus complet, en fait. Parce que là, on va vite avoir l'impression de faire le tour. Parce qu'en gros, bah, va falloir essayer d'atteindre une certaine note pour avoir les épées. Mais en fait, après, on n'aura plus beaucoup d'objectifs déjà, alors qu'on est qu'au début du jeu. Donc ça nécessiterait quand même des mises à jour de manière à ce que ce soit plus intéressant. Mais ça reste quand même sympa. Après, c'est vrai qu'il est à 12 euros et quelques, hein, je crois que je vous ai dit au début. C'est un peu cher pour ce que c'est à l'heure actuelle, à mon sens. Mais voilà, à voir comment le jeu, du coup, va évoluer. Si jamais il évolue, je l'espère en tout cas. Après, j'aime bien voilà, le côté médiéval, tenir son petit shop et tout. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. Je sais que j'avais beaucoup farmé My Little Blacksmith Shop à l'époque, qui était un petit peu un jeu du style. Bon, sauf qu'on était un forgeron. Et justement,
À l'inverse de ce jeu, l'avantage, c'est qu'on pouvait aller farmer un petit peu les ressources, on pouvait crafter nous-mêmes du coup les différentes armes qu'il nous fallait, on avait des commandes en fonction, donc il y a quand même des trucs à faire en plus. C'est vrai que ça le rendait un peu plus intéressant à ce niveau-là. Malgré tout, c'était un jeu qui n'était pas non plus très très complet, et ça restait quand même intéressant de refaire les tâches. Je sais que j'ai joué pendant longtemps parce que j'aimais bien ce style-là, donc c'est vrai que ça reste quand même intéressant ce style de jeu, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu, merci à tous d'avoir suivi les amis, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.